Les risques de la plongée en dérive et l'équipement. Le risque majeur de plonger dans un courant imprévu est qu'il modifiera le profil de ta plongée et ta route et qu'il augmentera de manière drastique ta consommation d'air. Si tu te retrouves de manière imprévue dans un courant, rappelle-toi qu'il est très improbable qu'il vienne juste d'apparaître. Tu y es probablement rentré, donc il suffit juste de faire demi-tour de quelques mètres et il disparaîtra. Dans le cas d'un courant qui devient de plus en plus fort, probablement dû à la marée, tu te trouves dans un phénomène qui touche de très vastes zones et tu commettrais une erreur de vouloir continuer de plonger dans de telles conditions. Il est vrai qu'en cas de difficulté, tu peux t'agripper à un rocher ou au fond, mais cela n'est valable pour autant que tu ne doives pas remonter à la surface, car dans ce cas, tu seras emporté par le courant. Si un bout de remontée est en place, tu t'y agripperas à deux mains, ou encore, tu utiliseras un accessoire spécial connu sous le nom de John Line. N'oublie pas également que le courant peut varier avec la profondeur. Il est généralement moins fort à proximité du fond, ou n'être seulement présent qu'à ce niveau, ou juste à quelques mètres de la surface. Un boot de descente ou de remontée sera utilisé dans tous les cas. Les courants de type ascendant ou descendant ne sont pas facilement négociables. Heureusement, ils sont rares, mais il est toujours possible d'en rencontrer. Ces courants verticaux peuvent être très forts, et un plongeur inexpérimenté pourra se retrouver à une dizaine de mètres de son niveau initial de plongée avant de s'apercevoir de ce qu'il y arrive. D'autres risques relatifs à la plongée dans des courants concernent la mauvaise visibilité qui augmentera la difficulté de rester groupé. Dans ce cas, tu effectueras une plongée à partir d'un point fixe et tu appliqueras les techniques relatives à la plongée en visibilité réduite. Dans le cas d'une plongée en dérive, c'est-à-dire se laisser emporter par le courant, il n'est pas possible d'utiliser un fil d'Ariane. Une mauvaise visibilité empêchera de plonger dans ces conditions. Tu te retrouveras plus facilement séparé de ton binôme ou de ton groupe lors d'une plongée en dérive. Tu veilleras à bien rester groupé. Pour pouvoir plonger à partir d'un point fixe, par exemple d'un bateau à l'ancre, tu auras besoin d'un boot pour descendre vers le fond et remonter à la surface. Tu pourras également utiliser la ligne d'ancre à cet effet. Une autre ligne, connue sous le nom de ligne de traîne, longue d'une vingtaine de mètres, sera déployée à la poupe du bateau. Elle est constituée d'une ligne flottante terminée par une bouée. Une fois à l'eau, les plongeurs pourront l'utiliser pour rester près du bateau. Si le courant est très important, une troisième ligne sera disposée entre la ligne de traîne et le bout de descente. Ainsi, les plongeurs qui se mettent à l'eau à la poupe du bateau ne sont pas obligés de nager à contre-courant vers le bout de descente. Le danger principal lors d'une plongée en dérive est de se retrouver séparé de son binôme, du groupe ou du bateau. Il est donc recommandé à chaque plongeur d'emporter un parachute de palier doté d'une ligne d'une certaine longueur. Examinons maintenant les procédures recommandées pour le cours Advanced.